Oui, bien sûr. Alors d'abord, on a eu une présentation des enjeux de développement de l'économie bleue avec le port. J'ai eu l'occasion de présenter au ministre l'importance d'avoir une interface réussie entre le port et la ville. En tant que maire et président du conseil de surveillance, vous savez, je suis soucieux qu'il y ait un rapport intelligent entre l'espace urbain, la ville et l'activité portuaire. C'est pour ça que je lui ai présenté le projet des grandes maisons que nous connaissons, qui font partie du patrimoine portuaire et portois et réunionnais. Ces grandes maisons qui vont bientôt être réhabilitées, tout cet espace qui va être réhabilité et notamment dans une des maisons, accueillir le Port Center. C'est ce musée qui permettra à la ville du port d'avoir ce rayonnement international et historique sur son territoire. Le ministre nous a bien sûr rappelé l'importance de verdir notre activité portuaire, notamment à travers le GNL, ce nouveau carburant moins sale pour les mers et pour la terre réunionnaise et à travers le monde. Aussi, il nous a rappelé qu'il existe des outils financiers et que la Réunion n'en a consommé que la moitié et que peut-être qu'ils sont trop compliqués à remplir, qu'il faut les simplifier. C'est ce que nous allons faire avec les acteurs locaux, à la fois les industriels, le grand port, la ville et bien sûr la région.